La chose à l'objet de l'économie en groupe, la séance, premier point, c'est le procès verbal de la séance du conseil du 25 mars. Je vérifie, je peux se mettre en mouvement. Adopté, ce point est adopté. Point 2, bien, nous entérinons. Pour le procès verbal de M. Vande. Oui, merci, Monsieur le Président. Je voudrais juste attirer l'attention sur le fait que on a déposé plusieurs questions orales et 3 ont été repoussées. Je n'ai reçu d'ailleurs la réponse du secrétaire communal et je vous remercie. Je n'ai pas encore eu le temps de lui répondre, mais juste je voudrais attirer votre attention sur le fait que, du point de vue de l'opposition en tout cas, on ne comprend pas très bien sur quels critères nos questions sont soit mises à l'agenda, soit reportées. Sur quels critères l'agenda est en fin de compte mis dans l'ordre dans lequel il figure. Je souhaiterais que l'on puisse tout de même en discuter, ne fût-ce qu'avec les chefs de groupe, pour que ce soit fait un peu de manière plus claire, plus objectif. Je pense que dans d'autres parlements, il y a un bureau dans lequel figure à la fois la majorité et l'opposition, et dans lequel on parle de l'agenda des séances. Je vous remercie. Je ne sais pas exactement le dire ce point-ci. Les propositions sont faites par votre serviteur, puis les valides. Bien entendu, le service nous prend les propositions. Okay. Ce que je vous propose, effectivement, c'est que différents membres, différents chefs de groupe puissent en discuter et trouver peut-être un agrément qui puisse satisfaire tout le monde. Mon son, me dit-on, est mauvais. Oui, vous ne l'entendez pas branché, on vous entend vers le micro. C'est pas possible. Comme ceci, est-ce que le son est de qualité suffisante? Ok, on va procéder de la sorte. Je n'aurai donc pas mes écouteurs, je risque d'avoir des interférences avec mes voisins, mais qu'importe. Donc, point 1, je pense que vous avez entendu le sens de ma réponse, monsieur le conseiller, pour les questions. Donc, j'invite les chefs de groupe à se concerter. Mais vous comprendrez quand même que même si on devait augmenter le temps des questions à 30 minutes, voire 40, on serait largement en deçà des capacités au regard des questions qu'on reçoit actuellement. Allez, ceci clôt ce point 1 qui est adopté. Passons au point 2 pour valider le fait que nous travaillons à distance. Point 3, communication, la liste des arrêtés adoptés par le bourgmestre pour prise de connaissance. Point 4, liste des marchés passés par procédure négociée, aussi donnée pour information. Monsieur le conseiller. Merci, Monsieur le Président. Oui, j'en ai fait, enfin, à chaque fois je le dis, c'est ma petite tradition. De nouveau, les documents qui ont été publiés, ils ne comprennent plus les montants, ce qui était le cas avant. Nous souhaiterions que ça puisse être rétabli. Merci. Très bien, et donc, même réponse, j'ai envie de dire, nous respectons le prescrit réglementaire d'une part, et d'autre part, vous trouvez dans les annexes et sur le site internet la totalité des montants, mais il est tout à fait de votre droit de rappeler votre souhait. Voici pour ce point 4.5, commission consultative des sports, nous avons une modification de sa composition avec le remplacement d'Adrien Tkin par Pierre-Yves Herzel. Est-ce qu'il y a une demande de prise de parole sur cette question? J'imagine que non, ça fait unanimité.
Point 6, organisation des journées bruxelloises de l'eau 2021, convention fixant les modalités d'accès au domaine de Val-Duchesse. Cette journée a eu lieu le 21 mars, donc nous régularisons quelque part la situation. Il y a des questions en la matière. J'imagine que beaucoup d'entre vous y ont participé. Très bien, ce point est adopté. Point 7, réaménagement de l'avenue des Traquets, qui est spécial des charges. Une procédure ouverte et nous approuvons ici et la dépense et le cahier spécial des charges. Monsieur Van Gorp, vous avez la parole. Oui, merci. Je serai bref, j'ai juste deux petites questions. Une, elle est quant à la verdurisation, parce que j'ai vu donc qu'il y aurait donc un espace où il y aurait donc des arbres plus de la verdure. Mais j'aurais voulu savoir quelle est un peu votre stratégie par rapport à ça. C'est donc quel style? Est-ce que vous avez une réflexion plus approfondie par rapport à une verdurisation intelligente, par rapport à l'imperméabilité des sols ou par rapport à un effet plus naturel qui nécessite moins d'entretien ou par rapport à le garantir le fait qu'il y ait le développement d'une biodiversité? Donc ça, je voulais juste vous entendre par rapport à ça, s'il y avait vraiment une stratégie spécifique par rapport à ça. Et ensuite, j'aurais voulu juste, mes informations ne sont peut-être pas bonnes, mais j'ai cru comprendre que ces rénovations étaient longuement discutées dans le quartier. Et donc, j'aurais juste voulu avoir, si c'est le cas, un feedback de ce qui a été dit et pourquoi ça a eu autant d'engouement. Merci. Pour vous répondre, Madame De Vos. Oui, je vais être extrêmement bref. C'est effectivement les riverains qui ont eu le choix du type de verdurisation. La verdurisation était une demande globale du quartier. Vous savez que la partie de l'avenue des Traquets qui se situe à cheval sur Auderghem et sur Woluwe-Saint-Pierre est déjà rénovée et dispose sur les trottoirs de larges bandes engazonnées. Donc il y avait évidemment un souhait du quartier de ne pas rompre trop cet équilibre, de ne pas faire quelque chose de complètement différent entre le bas et le haut de l'avenue des Traquets. Donc, il y avait un souhait de maintenir les arbres existants qui étaient en très bon état sanitaire. Il y avait un souhait de diminuer ces énormes trottoirs de 5 mètres et demi, 6 mètres de long parfois, en verdurisant. Et donc, nous avons eu diverses propositions, mais ce qui a emporté l'adhésion de tous, je suppose que ça va vous faire plaisir parce que ce sont des prairies fleuries, voilà, donc qui vont être installées, donc qui seront tout à fait en faveur de la biodiversité. Merci. Voilà, j'espère que vous m'entendez. Non, je ne crois pas. Est-ce que vous m'entendez, chers amis? Ah oui, voilà, parfait. Excuse, mais je dois jongler, du coup, comme je n'ai pas mes écouteurs. Sur ce point, est-ce qu'il y a encore des demandes d'intervention? Aucune. Le point est dès lors adopté. Nous pouvons passer au point 8, approbation du profil de fonction de l'appel au candidat pour l'admission au stage dans une fonction de directeur adjoint de l'Académie communale Franz Constant de musique et des arts de la parole. Nous vous demandons l'autorisation de lancer la procédure. Est-ce qu'il y a des questions? Pour votre information, au procès verbal, aucun nom n'apparaîtra. Comme ça, les choses sont dites. Le point est adopté. Point 9, convention d'occupation pour un centre de test COVID-19, rue Émilie Dirce 12, la prolongation de la convention que vous connaissiez déjà. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ce point? Pas de questions, le point est adopté. Point 10, règlement communal relatif au certificat de connaissance du français et du néerlandais. Ce point est passé avant-hier en commission. Monsieur Van Gorp, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Je serai de nouveau très bref. Comme ça a été discuté en plus en commission, ici c'est plus un point politique. Pour nous, on peut soutenir ce point. Et la proposition, c'est juste une remarque, c'est que pour nous, le plus important, c'est que le niveau de langue reste élevé, les critères restent élevés, et donc s'assurer qu'il y ait bien au maximum un bilinguisme au sein de notre administration communale. Et donc, évidemment, ça va vouloir dire aussi que si on adopte ces règles, donc on va chercher d'autres types d'attestations, qu'il y ait tout de même un contrôle de la part de la commune sur la qualité
et le niveau qui est demandé. Merci. Commenter le point, Monsieur le Bourgmestre. Bah, il va de soi que nous ne sommes pas en capacité de changer la loi et les exigences de la loi. D'ailleurs, les annexes le montrent. Nous reprenons les certificats tels qu'ils sont reconnus par les communautés dans le cadre de certification européenne, dit le cadre de Bologne. Et donc, nous n'avons pas le choix. Et nous ne faisons d'ailleurs que de reprendre le dispositif qui figure au moniteur pour une même disposition qui est adoptée au niveau fédéral. Voilà pour cette précision d'ordre technique. S'il n'y a plus d'intervention, je pense que nous pouvons considérer ce point comme adopté et passer au point 11, point visant la modification du cadre du personnel ouvrier. Il a également été débattu en commission. Est-ce que vous avez des commentaires et remarques? Rien, en tout cas, personne ne se manifester. Ce point est adopté. Nous passons dès lors au point 12, toujours pour le personnel communal, modification du règlement de travail, article 26, congé de circonstance, débattu aussi en commission, légèrement amendé au plan technique ou en tout cas une modification de forme. Est-ce qu'il y a encore des commentaires pour ce point? Je ne vois personne. Point est adopté. Point 13, Fabrique d'église Notre-Dame du Blanc, que dès l'exercice 2020, nous adoptons ici le compte. Il y a une intervention communale. Est-ce que je peux vous demander le vote habituel? Ne voyant personne se manifester, vote habituel. Et donc, pour votre information, le point est adopté comme tel. Point 14, ASBL Gestes et Création. Exercice 2020, également les comptes. Pour rappel, cette ASBL est attachée à l'Académie. Hein. Subvention 12 000 euros de la commune. Les comptes sont en positif. Est-ce qu'il y a des demandes de prise de parole? Pas de demande. Le point est adopté. Point 15, nous entamons les questions orales. Question orale du groupe MR OpenVLD à propos du parking de l'ancienne gare d'Auderghem. Madame Mascal, j'ai l'impression que c'est vous qui allez intervenir. Oui, vous avez moi, tout à fait. Je vous remercie, Monsieur le Président. Chers collègues, avec les récentes constructions de l'avenue des Nénuphars, la suppression de 3 emplacements de stationnement au profit de 2 places réservées à la charge de véhicules électriques et la très récente suppression de 3 emplacements devant l'autre école, les habitants de l'avenue des Nénuphars et de la place Félix-Govart ont davantage le mal à se garer à proximité de leur domicile. Le parking de l'ancienne gare d'Auderghem est une bonne alternative à ce manque de place. Toutefois, les riverains ont du mal à s'y garer le soir à cause de l'insécurité ressentie, créée par l'absence totale d'éclairage public et du mauvais revêtement du sol. Nos questions sont les suivantes. La commune est-elle compétente sur ce parking? Existe-t-il un projet communal ou régional pour le réaménager et l'éclairer? Et si oui, pouvez-vous nous donner une perspective dans le temps? Je vous remercie. Pour vous répondre, Madame DeVos. Oui. Merci Madame la conseillère pour votre question. Je voudrais tout d'abord quand même un tout petit peu rectifier vos propos, même si ça peut sembler du détail, le placement d'une borne électrique ne supprime pas 3, mais 2 places de stationnement de voitures à moteur thermique, et ces emplacements sont quand même choisis en fonction de la demande du quartier, donc en collaboration avec les opérateurs régionaux et les opérateurs communaux, mais en fonction de la demande du quartier. Alors, les 3 autres emplacements soi-disant perdus dont vous parlez n'étaient pas des emplacements licites. En fait, on était simplement sur le parvis de l'école. Et donc, ils étaient dangereux pour les enfants et autres usagers faibles. Donc, je suis certaine que vous approuverez cet apaisement de l'espace, vous qui êtes sensible à la sécurité aux abords des écoles. Alors, en ce qui concerne maintenant le terrain dont vous parlez, effectivement, il est de gestion communale et il est effectivement laissé gratuitement à la disposition de divers utilisateurs. Nous y avons même accueilli à une époque des poneys dans des grands box ombragés. Alors, en ce qui concerne l'éclairage, nous avons demandé un devis à Sibelga en 2019. Il est prévu actuellement en 2022. Donc voilà, ça peut sembler long, mais nous ne maîtrisons absolument pas ce planning. Ça relève de Sibelga. Et alors, en ce qui concerne le revêtement,
Eh bien oui, nous étions conscients tout à fait de son état, pas tout à fait idéal. Et si vous avez été faire un tour dans le quartier, vous pourrez constater que nous avons profité des vacances scolaires. C'était prévu comme ça, on utilise toujours les vacances scolaires pour faire les travaux, donc on avait prévu de le réaménager, de l'améliorer. Mais évidemment, à des moments où il est beaucoup moins utilisé, donc pendant que l'école n'était pas ouverte du tout. Voilà. Je vous remercie, oui. Pardon. Oui, en effet, ça ne m'avait pas échappé qu'il y avait des travaux qui avaient été commencés. J'ai laissé la question telle quelle, puisque c'est par rapport à ce qu'on disait en tout début de réunion, c'est une de ces questions qui avait été reportée. Mais je vois qu'en effet, les choses ont l'air bien emmanchées. Je vous remercie. Très bien. Passons aux questions suivantes. Pour organiser au mieux la réponse du collège, je vous propose de joindre les questions 16, 17, 18 et 19. Et donc, dans ces conditions, je vous invite successivement à prendre la parole. J'énonce quand même les différentes questions. Première question de Monsieur Pilois à propos du projet de la Flandre visant à fermer les bandes de circulation de l'avenue Tervuren vers les Quatre Bras. La question 17, question orale de Monsieur Van Gorp et Madame Mascal au sujet des accès à Bruxelles. La question 18 de Monsieur Pilois à propos de la rénovation de la piste cyclable du boulevard du Souverain. Et la question 19 de Monsieur Gretry concernant l'élargissement de la piste cyclable du Souverain. Je vous propose donc successivement de poser vos questions et le collège pourra vous ramasser une réponse complète. Monsieur Pilois, pour commencer. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Bourgmestre, Mesdames et Messieurs les échevins, chers collègues, la presse de ces dernières semaines s'est fait l'écho que, dans le cadre de son projet d'élargissement du ring autour de la région bruxelloise, la Werkbenotschap souhaite réaménager l'avenue Tervuren et les Quatre Bras, avec en ligne de mire la finalisation à terme d'une autoroute cyclable. On passerait donc de 4 voies de circulation à 2 pour le trafic entrant et sortant en région bruxelloise, et ce, sur chaque bras de l'avenue de Tervuren, avec la construction d'une piste cyclable bidirectionnelle de chaque côté. Une phase test serait prévue à partir de la fin du mois d'août 2021. Alors, si j'entends bien évidemment l'importance d'améliorer la mobilité de chacun et chacune, il s'agit toutefois de rester avant tout concentré sur la qualité de vie des odeurs guémois et, de prévoir une concertation avec ceux-ci. Nous devons avoir le courage de faire front ensemble avec les communes voisines et la région face à certaines initiatives qui viennent de Flandre et dont on pourrait craindre qu'elles ne répondent pas aux intérêts des Bruxellois. Il est impératif de respecter aussi l'esprit de Good Move, auquel nous avons d'ailleurs souscrit, et garantir ainsi aux habitants qu'il n'y aura pas de report de charges dans les quartiers. La construction d'un RER vélo est somme toute intéressante dans la perspective d'une mobilité plus douce, mais ne peut avoir comme conséquence de rendre des quartiers invivables, et ce peu importe les communes impactées. Je m'inquiète d'autant plus que l'objectif à long terme de la Flandre pour ce projet semble clair. La phase test n'est qu'une première étape, les intentions finales restent les mêmes. Lorsque les quatre bras seront transformés, la circulation sur l'avenue Tervuren devra être modifiée. Voitures aller et retour dans la partie nord sur une seule bande de circulation, cyclistes et piétons dans la partie sud. Alors, nous avons pu lire que la commune avait suspendu son avis dans l'attente d'un positionnement clair de la Flandre face à ces déclarations et que la ministre bruxelloise de la mobilité puisse également se prononcer de manière claire et ferme sur ce projet final. Alors, la phase test qui était prévue d'une durée d'un mois, étrangement en plein mois d'août 2021, me semblait d'ailleurs très courte. Pour se faire une idée précise de l'impact réel d'une diminution du nombre de voies réservées aux voitures. De plus, il faudra voir si le confinement n'aura pas été prolongé et avec lui donc le télétravail. Alors, il y a déjà une piste cyclable qui existe et qui nécessiterait d'ailleurs des réparations, des aménagements qui gagneraient également à être élargie et puis où un cheminement piéton pourrait être également prévu à ses côtés. Alors ça, c'était encore tout récemment, et puis là, on vient d'apprendre, il n'y a même pas une heure, dans la presse, que la ministre flamande de la mobilité avait décidé,
finalement d'abandonner le projet de supprimer des bandes de circulation sur l'avenue Tervuren et plutôt de demander à son administration d'étudier la piste de la rénovation de la piste cyclable actuelle. Donc je ne peux que me réjouir de cette décision qui vient de tomber, même s'il faut toujours rester très prudent, surtout quand on connaît le projet final de réaménagement des quatre bras. Mais au-delà de ça, ça démontre aussi que la pression que l'on peut mettre au niveau des communes, que ce soit d'Oderghem et de ses voisines, ben, ça peut porter ses fruits et ça porte ses fruits. Et puis surtout qu'en étant constructif, en proposant des solutions alternatives dans certains dossiers, on peut finalement être entendu. Donc mes questions qui ont été posées il y a maintenant deux, trois semaines seront donc pour certaines un peu dépassées, donc je vais essayer de les retravailler en direct, mais voilà, il y a encore des interrogations qui persistent et donc j'aimerais vous entendre sur celles-ci. Donc tout d'abord, pouvez-vous nous confirmer l'information qui vient de tomber de la part de la ministre flamande et quelle est la position de la commune par rapport à celle-ci, mais plus globalement par rapport au projet en entier. Donc la question du risque de report de charge est fondamentale dans tout le projet. Et donc, est-ce qu'on a déjà eu l'occasion d'aborder cette question avec les autres communes, avec les autorités régionales? La région flamande a-t-elle conscience de ces risques de report de charge dans les communes bruxelloises, étant donné qu'il y a toute une série d'autres projets de la région flamande sur le Ring qui sont en cours, je pense à l'autoroute cyclable à Herman de Brou ou encore à la fermeture du boulevard de Woluwe. Des alternatives au projet ont-elles été présentées par la Flandre? Ben, ici, il semblerait qu'ils vont les étudier. Je pense donc à la rénovation de la piste cyclable actuelle. Le projet proposé prend-il bien en compte la place des piétons? Qu'est-ce qui est exactement prévu pour les accueillir d'une manière confortable? Au niveau de la phase test qui était prévue au mois d'août, qui a décidé de ce moment? Qui a décidé de sa durée? Quelle était la position de la commune vis-à-vis de celle-ci? Alors, si finalement la phase test devait quand même à un moment donné réapparaître, comment va s'opérer pour les cyclistes la jonction entre la piste cyclable avec l'avenue Tervuren et la chaussée Tervuren, donc au niveau du carrefour entre les deux voiries? Est-ce qu'il n'y a pas un risque de sécurité à ce niveau-là? Et enfin, comment jugez-vous finalement la concertation qui a été menée jusqu'à présent par la région flamande dans ce dossier relativement sensible pour les habitants, et depuis la remise des avis des communes et des nouvelles informations qui viennent de paraître dans la presse, est-ce qu'il y a eu des nouvelles réunions de concertation qui avaient été menées entre la Flandre, la région bruxelloise et les communes? Je vous remercie pour vos réponses. Merci, monsieur le conseiller. Pour le groupe MR Open VLD, au sujet des accès à Bruxelles, qui prend la parole? Monsieur Van Gogh. Oui, merci, monsieur le président. En effet, donc, comme vient de le dire mon collègue du groupe Défi, c'est un peu compliqué vu qu'on vient d'apprendre avant le conseil communal que pour finir, le projet va changer. Mais c'est tout de même, je trouve, intéressant d'en discuter. Et permettez-moi, dans ma question, d'aller un peu plus large, puisque je parlerai aussi des pistes cyclables qui sont prévues boulevard du Souverain. Donc, depuis plusieurs mois, on entend quand même une série de projets de mobilité susceptibles d'avoir un impact significatif sur la mobilité à Oderghem. Parmi les plus importants et les plus impactants, on peut citer notamment la réorganisation du carrefour des quatre bras Tervuren, de l'avenue Tervuren, l'accès au boulevard de la Wolu, et évidemment, il faut tout de même rappeler qu'il y a également le grand projet de détruire le viaduc Herman de Brou et le fait évidemment que le carrefour Léonard reste malgré tout un endroit où le trafic est très présent. D'autres informations sont également venues dans la presse récemment concernant donc, le soutien de la Fondation Roi de Baudouin à un projet d'élargissement de la piste cyclable du boulevard du Souverain. Et donc, nos questions, si on peut essayer d'un peu les regrouper, c'est où en sont donc vos discussions avec le gouvernement bruxellois et la Flandre par rapport à ce projet de Tervuren, même si
je précise quand même que certes le projet vient de la Flandre, mais je ne crois pas que derrière il y a c'est la Flandre contre Bruxelles. Je pense qu'il faut absolument qu'on arrive à plus de concertation, que ce soit du niveau bruxellois ou de niveau flamand, pour parler de tout ce qui est notamment de mobilité au sein de Bruxelles et autour de Bruxelles. Comment se fait-il que les communes bruxelloises potentiellement impactées semblent avoir du mal à se faire entendre du gouvernement bruxellois? Parce qu'il faut quand même tout de même admettre que le gouvernement bruxellois n'était pas trop sur la même longueur d'onde que ce que les communes ont pu dire. Donc, nous, de ce qui nous était revenu, c'est que le gouvernement bruxellois soutenait tout de même ce projet, ne fût-ce que la ministre. Et c'est d'autant plus... intrigant, sachant que tout de même, de nombreux partis qui sont à la majorité dans des communes comme celle de Durkheim sont également dans la majorité à la région bruxelloise. Et je rajouterai juste, si je peux me permettre, vu qu'il y a eu des changements dans la presse, c'est aussi de savoir, honnêtement, vous n'avez pas parfois peur, au vu de tous ces projets qui émergent, que ce soit au niveau de la Flandre ou que ce soit au niveau de la région bruxelloise, vous n'avez pas peur qu'en fin de compte, on ne sait l'impact qui est déjà négatif de la destruction du viaduc qu'on pensait connaître va être en fait compte encore pire, puisqu'il y a toute une série de projets qui n'ont pas du tout été pris en compte lors d'évaluation. Et donc ma question est, ne serait-il pas bon de demander au gouvernement régional de réévaluer complètement le projet de la destruction avec l'ensemble de ces nouveaux projets, puisque c'est clair que ça impactera la mobilité à Oderghem. Et concernant le boulevard du Souverain, comment imaginez-vous, et donc les pistes cyclables, comment imaginez-vous la configuration des lieux tout en conservant à la fois les arbres, le tram et les bandes, à savoir combien de bandes encore de circulation? Envisagez-vous, lorsque le projet aura abouti, de fermer la promenade verte au vélo? Je vous remercie. Merci, monsieur le conseiller. Pour vous succéder, de nouveau, monsieur Pilois, au sujet justement de la piste cyclable du boulevard du Souverain. Là, c'est évidemment la mobilité. Oui, merci, monsieur le président. Je vais juste, avant de poser la question, revenir parce que nous avons été un tout petit peu attaqués par le groupe MR sur des positions différentes que nous pourrions avoir à la commune et au gouvernement bruxellois où notre parti est représenté. Je tiens à dire que la position du parti et de défi est la même à la région et à la commune. Nous partageons exactement la même position et que le point n'a pas été discuté en gouvernement. Ce n'est pas une décision de gouvernement, c'est une décision de la ministre de la Mobilité. Et donc, voilà, je rappelle que donc, nous partageons la même position que nous soyons à la commune ou à la région. Comme ça, je refais un ce petit point-là. Alors, sur la piste cyclable, sur le boulevard du Souverain, je ne vais pas revenir sur l'introduction, donc sur le fait que c'est un subside de la Fondation Roi Baudouin qui est accordé pour un élargissement de la piste cyclable. Je vais directement passer à mes questions pour ne pas être trop long. Et donc, pourriez-vous nous exposer, en fait, plus concrètement, finalement, quel est le projet dont il est question ici? Qu'est-ce qu'il est exactement prévu? De quelle portion de la piste cyclable parlons-nous? La commune d'Oderghem, une nouvelle fois, a-t-elle été concertée en amont sur de l'attribution de ce subside par la Fondation Roi Baudouin et ou par Bruxelles Mobilité? Est-ce qu'il y aura un impact sur les arbres, sur une réduction du stationnement, de la voirie sur le boulevard du Souverain? Est-ce que l'élargissement de la piste cyclable est uniquement fait pour le confort des cyclistes ou est-ce qu'il va y avoir aussi un accueil d'autres fonctions sur cette nouvelle portion? Et puis, est-ce qu'il s'inscrit finalement dans une réflexion beaucoup plus globale pour une meilleure cohabitation finalement des fonctions sur la promenade verte? Et donc, est-ce que cet élargissement sur le boulevard du Souverain est une réponse à la problématique de la promenade verte que nous avons déjà pu évoqué à plusieurs reprises au sein de ce conseil? Je vous remercie pour vos réponses. Et enfin, pour terminer le tour de table, M. Gritry, toujours sur la piste cyclable du Souverain.
Et oui, quand il s'agit de cyclisme, je suis souvent sur la balle, effectivement. Donc, Monsieur Bourgemès, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les échevins et chers collègues, le 14 avril 2021, la presse écrite annonçait les 10 projets destinés à améliorer les infrastructures cyclistes à Bruxelles qui bénéficient d'un soutien des fonds Bike in Brussels gérés par la Fondation Roi Baudouin. Nous sommes heureux d'apprendre que l'élargissement de 2 à 4 mètres plus ou moins d'un tronçon, de l'une des plus anciennes et emblématiques pistes cyclables de Bruxelles située sur le boulevard du Souverain est retenu. Le tronçon concerné va du rond-point du Souverain au carrefour de l'avenue de Tervuren. Alors, le montant global des fonds Bike in Brussels de cette année est de 800 000 euros et Bruxelles Mobilité reçoit un soutien de 350 000 pour ce projet sur notre belle commune. Alors, notre groupe Écolo Groen est convaincu que l'amélioration et la sécurisation de la pratique du vélo à Auderghem permettra une circulation plus fluide, un air plus pur et une commune plus agréable et tranquille. Si notre groupe se réjouit d'une telle initiative, nous nous posons cependant plusieurs questions. Alors, comme l'a relevé le GRAC à Auderghem, groupement d'action cycliste au quotidien, plusieurs points noirs subsistent sur le tronçon allant du carrefour Hermann de Brou à la chaussée de Havre et pour terminer au rond-point du Souverain. Ce projet rentre-t-il dans une réflexion globale, effectivement? Alors, dans un deuxième temps, Auderghem pourrait-elle mettre la pression sur Bruxelles Mobilité afin d'améliorer ce tronçon allant d'Hermann-des-Brou au boulevard du Souverain? La question suivante, la commune est-elle informée des modalités de l'évolution du projet? Donc, présentation des plans, planification des travaux, organisation d'une déviation vélo. Et la dernière question, ce projet remet-il en cause la pratique du vélo sur la voie verte? Merci de votre attention. Merci, monsieur le conseiller. Puisqu'il s'agit de mobilité, madame De Vos pour vous répondre. Alors, merci à tous pour vos questions. Un tout petit peu chamboulé effectivement par l'actualité. Je vais donc aussi modifier ma réponse en direct. Je voudrais quand même vous dire pourquoi nous n'étions pas capables de remettre un avis favorable sur ce test, parce que finalement les raisons restent relativement d'actualité. Nous n'avons et nous n'avions aucune donnée chiffrée nous permettant de nous prononcer sur ce projet en particulier, mais nous n'avons non plus aucune donnée chiffrée sur l'ensemble des projets de la Werkvernootschap sur le Ring. Donc, nous les avons demandés, nous n'avons encore rien reçu à ce jour, donc qu'il s'agisse du projet au niveau de la chaussée de Louvain, qu'il s'agisse du projet dont on parlait au niveau de l'avenue ou de la chaussée Tervuren, ou encore d'un autre projet au niveau d'une piste cyclable du côté d'Hermann de Brou. Et il y a encore d'autres projets, la Werkvernootschap recèle de trésors en la matière. Nous n'avions aucune sécurité par rapport aux piétons. Les piétons sont toujours les grands oubliés de ce projet. Il suffit de se rendre sur place pour se rendre compte que rien n'est absolument prévu pour eux. En voie de sortie de ville, ils étaient relégués sur la piste cyclable à rénover. En voie d'entrée de ville, il n'y a rien du tout. Il n'y a même pas moyen de traverser de manière sécurisée pour rejoindre des arrêts de tram. C'est quand même un comble. Et alors, au niveau de la chaussée de Tervuren, également, une absence totale de prévision d'infrastructures, que ce soit pour une grande quantité de vélos ou pour des cyclistes. Donc, on n'était pas capable de remettre un avis favorable. Alors, on est évidemment très heureux de la breaking news qui vient de tomber, puisqu'apparemment, la ministre flamande a décidé de se pencher sur la proposition qui était la nôtre, c'est-à-dire de rénover la piste cyclable existante qui part donc du carrefour chaussée de Tervuren, avenue de Tervuren et qui va vers les quatre bras. Il faut savoir qu'il y a tout à fait la largeur suffisante pour faire et une piste cyclable bidirectionnelle et un chemin piéton. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle en ce qui nous concerne. On était aussi, bien sûr, pour essayer quand même d'être complète par rapport à toutes vos questions, très inquiète du report de charges dans les quartiers. Et nous partagions cette inquiétude avec les communes voisines. En ce qui concerne maintenant la situation, on va rester vigilant. Il reste un grand nombre de points noirs, en particulier donc en ce qui concerne les piétons. Donc le fait qu'on abandonne ce test ne résout absolument pas tout. Donc on va revoir notre position au niveau du collège pour remettre en évidence justement tous ces points noirs et effectivement être vigilant par rapport à des projets qui étaient des projets plus définitifs. En ce qui concerne les relations avec les différentes parties,
On ne peut pas nier qu'il y a un nombre de réunions extrêmement important avec la WERC Venotskap. On en a encore une ce matin pour le projet au niveau de Jezusek, de la Belgique en de Trieve. Donc, ils avancent, ils travaillent, ils sont extrêmement, extrêmement motivés. Et je dois dire que jusqu'à présent, si l'avis des communes était demandé, on ne peut pas dire qu'ils étaient fort suivis des faits. On avait l'impression que la région flamande était tout à fait convaincue qu'elle allait pouvoir faire ce qu'elle voulait en région bruxelloise et en particulier à Oudergem. Mais je dois aussi avouer que il y a peu, on a eu une réunion donc, sur un autre projet de la Werken and Ring, mais on a eu l'impression qu'il y avait quand même un petit changement d'attitude, que le fait d'être constructif eh bien, finissait par payer. C'était une réunion qui rassemblait la commune, la région bruxelloise, la WERC Venotskap, donc tous les acteurs étaient rassemblés, et on a eu l'impression qu'on allait pouvoir travailler de manière un petit peu plus constructive. Donc on va voir, wait and see, on va voir si effectivement ça débouche sur du concret, mais on doit dire que la nouvelle d'aujourd'hui est quand même, va quand même dans le bon sens. On a quand même l'impression qu'effectivement, il y a une manière différente de travailler et que probablement, notre manière constructive, notre dialogue que nous n'avons jamais rompu a fini par payer. Voilà, ça c'est ce que je souhaitais vous dire au niveau donc, de l'avenue de Tervuren et de la chaussée de Tervuren. Oui, dire aussi que le carrefour qui est situé sur Oudergem mais qui est de gestion régionale, donc le carrefour avenue de Tervuren, chaussée de Tervuren, reste un point excessivement dangereux. Il devrait être sécurisé et nous y serons aussi assez vigilants. En ce qui concerne maintenant la piste du boulevard du Souverain, renseignements pris parce que nous l'avons appris comme vous par la presse. En fait, il s'agit simplement de rénover la piste existante. Donc, on parle du tronçon qui est situé entre le rond-point Souverain et les étangs Mellaerts. La presse parle d'une nouvelle piste cyclable de 4 mètres, mais ce ne sera pas toujours possible. Ce ne sera pas toujours 4 mètres parce qu'en fait, ce sont des travaux qui nécessitent aucun permis. Donc, c'est vraiment juste une rénovation avec aucune amélioration au niveau d'un cheminement piéton, par exemple. Pas de suppression de parking, pas d'abattage d'arbres, rien de changé par rapport à la situation actuelle. Donc, par rapport à votre question de savoir si ça entre dans les plans de la région de supprimer les cyclistes de la promenade verte, et bien comme on l'a appris dans la presse, on n'en sait trop rien. Oui, on suppose que ça fait partie de cette stratégie globale de diminuer le nombre de cyclistes qui déambulent sur la promenade verte, mais donc nous n'avons pas d'autres infos à ce stade. En ce qui concerne le reste de la piste, pour répondre aussi à M. Grétry, il y a eu une réunion sur le terrain avec Bruxelles Mobilité avant les vacances de Pâques, donc avec mon équipe Mobilité également. On a arpenté la piste de long en large, on a repéré les points noirs, les points d'amélioration. Donc la balle est effectivement maintenant dans le camp de la région, mais aussi, il faut quand même le signaler, de la STIB, puisque l'endroit le plus dangereux se situe quand même au niveau du terminus, enfin de l'ancien terminus, avant que la voie soit prolongée, donc en fait à l'ancien terminus Hermann de Brou. Et cet ancien terminus, en fait, on se dit qu'il pourrait tout à fait être supprimé. On pourrait installer à cet endroit-là une piste beaucoup plus sécurisée, beaucoup plus large. Il n'est pratiquement plus utilisé que par des engins d'entretien des voies et de manière extrêmement rare. Donc, on se dit que la STIB pourrait quand même stationner ces engins d'entretien à un autre endroit du réseau et à ce moment pouvoir sécuriser la piste cyclable, qui est l'endroit le plus dangereux de cette piste cyclable. Voilà. J'espère ne pas avoir été trop longue. Merci, Madame Lechevin. Alors, pour répliquer, je vous propose de procéder dans l'ordre. Monsieur Pilloy, Monsieur Van Gorp et puis Monsieur Grétry. Monsieur Pilloy. Oui, merci, Monsieur le Président, et je vous remercie pour toutes ces réponses actualisées en dernière minute encore. Et je vais ressouligner vraiment le fait que, voilà, je me réjouis vraiment qu'une solution plus pragmatique puisse maintenant être étudiée, même si il faudra rester vigilant, comme vous l'avez dit, il y a toute une série d'autres points noirs qu'il faudra continuer à étudier et sur lesquels nous resterons bien évidemment vigilants. Et puis par dire que, comme je l'avais déjà dit, une attitude vraiment constructive peut finalement amener à des solutions partagées et à des solutions pragmatiques. Et donc, j'espère que nous pourrons continuer à travailler dans ce sens et dans un sens constructif pour
l'ensemble des usagers bruxellois, mais aussi des autres régions. Je vous remercie. Monsieur Van Gogh. Oui, merci. Merci, Monsieur le Président. Merci, Madame Lechvin, pour vos réponses. Je n'ai pas grand-chose à rajouter, pour être honnête, mais j'ai juste, c'était juste par rapport à la destruction du viaduc et donc le fait de redemander à la commune, à la région de réévaluer le projet à l'aube de l'ensemble des nouveaux projets, si vous pouviez répondre à cela. Mais aussi non. On a demandé, oui. Oui, on a demandé, oui, mes écouteurs, donc on jongle un petit peu ici. On a demandé une étude conjointe aux deux régions, région bruxelloise et région flamande, pour évaluer justement les impacts de tous les projets de Werkenhain-de-Ring et pas uniquement chaque fois évalué au cas par cas. Et donc apparemment, cette demande a été bien accueillie. Voilà, Monsieur Van Gogh, pour poursuivre. Oui, si je peux. Est-ce qu'on sait quand est-ce qu'on aura les résultats sur ça? Ce sera disponible? J'espère bien que ce sera disponible, mais pour le moment, je n'ai pas d'idée de timing, non. Merci. Voilà, pour terminer, Monsieur Gretry. Eh bien, à mon tour de vous remercier pour toutes ces réponses. Et effectivement, j'aimerais quand même rappeler que notre groupe ne peut être qu'heureux du projet de rénovation de la piste cyclable de la chaussée de Terbourg, surtout si cette dernière est ponctuée par le pont cyclable des quatre bras qui enjambera le ring. Donc, ça nous paraît particulièrement intéressant. D'autre part, nous nous réjouissons également de l'élargissement de la portion allant du rond-point du Souverain jusqu'au carrefour de l'avenue de Terburen. Cependant, nous craignons un effet d'étranglement, un effet d'entonnoir qui pourrait se produire par les cyclistes qui viennent de la chaussée de Terburen sur une piste cyclable extraordinairement large et superbe qui les amènera au rond-point du Souverain pour se retrouver sur ce fameux tronçon allant du rond-point du Souverain jusqu'au carrefour Hermann de Brou. Alors, cette portion-là est effectivement bien trop étroite, comme l'a souvent relevé le GRAC, d'ailleurs, Groupement d'Action Cycliste au Quotidien. Et on peut peut-être rêver d'un glissement du budget prévu à la suppression des bandes de circulation de l'avenue de Terburen vers un projet d'amélioration de ce tronçon. Donc, je le répète, partant de cette traversée périlleuse du carrefour Hermann de Brou, poursuivie par la traversée non moins périlleuse de la chaussée de Wavre et pour passer devant la maison communale par une piste relativement étroite et aboutir à ce rond-point. Alors effectivement, on est effectivement heureux de la remarque de Monsieur Pilois de rester vigilant. Et nous pourrions peut-être, pour rester vigilant, envisager un groupe de travail ou pourquoi pas une réflexion et un suivi de ces deux projets par la commission mobilité peut-être. Et d'autre part, voilà, il n'est pour nous pas question de supprimer l'accès cycliste à la voie verte, mais je reste convaincu que l'élargissement de cette piste cyclable s'ouvre amènera les plus férus de vitesse à vélo sur cette piste-là plutôt que sur la voie verte. Et nous aurons donc beaucoup plus de promeneurs à vélo sur la voie verte plutôt que de cyclistes pressés d'aller au boulot sur le boulevard du Souverain. Voilà, merci de vos réponses encore. Voilà qui est dit et qui clôt l'incident, si je puis dire. Point 20, question orale de Madame Polissène au sujet du mur d'escalade sous le viaduc Hermann de Brou. Si je ne m'abuse, c'est d'ailleurs le viaduc de Watermael. Je ne me trompe pas. Hein. J'interroge du regard Mme Lechvin. Bonsoir. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les Échevines et les Échevins, Monsieur le Bourgmestre, chers collègues, début avril, tout un chacun peut être interpellé par cette construction sous le viaduc Hermann de Brou, mais donc vraisemblablement le viaduc de Watermael-Boisfort. Donc, suite à la crise sanitaire, la salle New Rock a redoublé d'imagination pour satisfaire ses membres et a décidé de construire une salle privée, si je puis dire, en extérieur. En ces temps difficiles de Covid, on ne peut qu'encourager ce type d'initiative à l'attention des jeunes et des moins jeunes. Alors, j'ai donc quelques questions. La commune a-t-elle été sollicitée pour d'autres projets similaires sur la commune?
En attendant la destruction future du viaduc, véritable balafre urbaine, la commune envisage-t-elle de développer des projets artistiques autour de celui-ci? Et des projets en extérieur ont-ils été proposés dans le cadre du budget participatif? Merci beaucoup. Voilà, j'ai eu une coupure sur la fin de votre intervention. Je ne sais pas si vous arrivez au bout. Je ne sais pas si vous m'entendez encore. Voilà, OK. Bon, pour vous répondre, alors, deux membres du collège, Madame De Fossé et Madame De Vos. Madame De Fossé. Oui, je vous remercie, Madame Polisson, de souligner la construction temporaire de ce mur d'escalade sous le viaduc réalisé par la salle New Rock. Vous l'avez dit, comme beaucoup d'autres secteurs, le milieu du sport souffre de cette crise sanitaire et il est important pour la commune, dans la mesure de nos moyens, d'accompagner et de soutenir ce type d'initiative qui représente une belle alternative en ces temps difficiles de pandémie et où la pratique d'une activité sportive est soumise à un protocole strict à devoir respecter. Exactement à cet endroit, la commune a le souhait d'installer un skatepark. C'est un projet qui est aussi porté par beaucoup de jeunes citoyens et pour lequel nous avons déjà reçu des demandes, notamment par le biais de pétitions. Il suffit aussi de voir les jeunes qui se baladent dans la commune avec leur skate sans avoir de véritable lieu pour pratiquer leur activité. Je crois que c'est un beau projet à réaliser sous ce viaduc et qui pourra rester après sa destruction. Au niveau des sports, nous n'avons pas été sollicités par d'autres types de projets, mais je vais désormais céder la parole à Madame De Vos, qui peut certainement compléter dans le cadre de ses compétences. Merci, voilà. Donc, pour vous compléter, Madame De Vos, pardon. Oui, oui, très, très, très brièvement. Effectivement, le viaduc est source d'inspiration pour nos citoyens dans le cadre du budget partagé. On a reçu plusieurs propositions, donc le skatepark dont a parlé Héloïse à l'instant, mais également des projets de fresques ou autres projets de verdurisation. Voilà, mais donc la phase d'appel à projet se termine demain. Après, les services communaux devront étudier tous ces projets. La phase de vote sera en septembre, mais de toute façon, quoi qu'il arrive, il faudra bien sûr en passer, je le rappelle, par une autorisation régionale. Puisque c'est un endroit qui est soumis à, enfin qui est de gestion de la région bruxelloise. Madame Polisson. Voilà, pardon. Mais je vous remercie pour ces réponses et je trouve qu'il faut vraiment encourager ce genre d'initiative. Très bien, merci. Point suivant, deux questions qui sont là également jointes. Question de Madame Polisson au sujet d'une maison inhabitée en feu près d'Hermann de Brou, à Eberguen, bien entendu, et la question suivante du groupe MR Open VLD à propos de l'incendie de l'ancienne station-service. Madame Polisson, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les échevines et les échevins, Monsieur le Bourgmestre, chers collègues, en ce début de mois d'avril, les habitants du quartier Hermann de Brou, dont je fais partie, ont été témoins d'un incendie impressionnant aux petites heures du matin, dans une construction en bois adossée à une maison inhabitée, l'ancienne station-service Shell. Cet endroit, on le sait, est à l'abandon depuis des années. Du coup, je m'interroge sur les projets réservés à ce lieu, plus particulièrement depuis qu'une partie a été ravagée. Donc, quels sont les projets du propriétaire? Est-ce que la commune a été sollicitée pour un permis d'urbanisme? Je vous remercie. Et pour suivre, c'est Madame Mascalc. Tout à fait. Attendez que je me permette de récupérer ma question. Évidemment, je suis désolée. Voilà, excusez-moi. Bon, je ne vais pas vous raconter l'histoire que Mme Polisson vient de nous raconter. En effet, ce bâtiment qui a brûlé a déjà fait l'objet de plusieurs tentatives de projets immobiliers et il nous semble qu'il est temps à tout le moins de sécuriser le lieu et de lui trouver un avenir. Nos questions sont les suivantes également. Connaît-on déjà les circonstances et l'origine de l'incendie? Qu'est-ce qui est prévu pour sécuriser ce lieu maintenant? Démolition, surveillance, fermeture, en attendant qu'une affectation lui soit trouvée? Et dernière question, quel est l'état de la question justement sur les projets pour ce site? Je vous remercie.
Et pour répondre à ces deux questions, Monsieur Lefebvre. Je vous remercie beaucoup pour ces questions. Effectivement, c'est un site qui nous préoccupe depuis un certain temps, puisque, comme vous le dites, il est abandonné et nous avons dû intervenir à deux ou trois reprises pour en améliorer l'environnement par des plantations ou une opération d'entretien. En ce qui concerne les causes de l'incendie, vous comprendrez que les enquêteurs ne nous mettent pas au courant. L'enquête est en cours, la justice en est saisie et nous ne connaissons pas la teneur des conclusions de la justice. J'ai eu un contact avec le propriétaire du bien. Il envisage, évidemment, suite à cet incendie, pour ceux qui ont été sur place, on voit bien qu'il n'y a plus moyen de rien faire dans ce bâtiment. Tout l'intérieur est ravagé, la toiture est ravagée. Donc, il va falloir sécuriser les lieux par une démolition. Cette démolition doit faire l'objet d'une demande de permis qui sera introduite rapidement. J'en ai reçu la confirmation écrite à la suite de l'incendie. Nous avons demandé dans ce cadre-là que soit mise en place une clôture, mais temporaire, mais néanmoins une clôture suffisamment valable sur le plan de la sécurité et sur le plan urbanistique, puisque cette situation risque de durer quand même quelque temps, le propriétaire n'ayant jamais introduit de demande de permis d'urbanisme pour ce projet. Il a eu des contacts avec la région notamment, et nous-mêmes, lors de nos contacts, nous répétons que si un développement doit se faire à ce niveau-là, il doit s'intégrer dans les gabarits de ce qui s'est construit autour du carrefour Hermann de Brou. Il doit respecter les gabarits et les habitations du clos des pommiers fleuris notamment, et ne pas uniquement s'inspirer de la construction élevée qui se trouve au boulevard du Souverain, au voisinage immédiat de ce terrain. Les réflexions sont en cours du côté du promoteur. Comme je l'ai dit, aucune demande de permis n'a été introduite. Il a l'intention de lancer un appel à idées auprès d'une série d'architectes pour sélectionner l'idée qui serait la plus favorable. À la suite de nos contacts, bien sûr, il nous soumettra, nous avons demandé qu'il nous soumette les balises qu'il compte donner, hein, puisqu'on ne va pas lancer un appel à idées comme ça dans le vague, les balises qu'il compte remettre aux architectes pour que nous puissions intervenir. Pour le moment, je n'ai rien d'autre de concret à vous avancer. Bien sûr, parmi ces balises, outre ce que j'ai dit, la prise en compte du futur boulevard urbain doit être mentionnée dans les balises et doit permettre d'orienter un projet qui soit qualitatif et pas un projet qui tourne le dos au viaduc actuel, mais un projet qui fait face au futur boulevard urbain. Merci, Monsieur Léchevin. Madame Polissen. Merci pour cette réponse très complète. Madame Mascalque. Oui, pareil, merci beaucoup. Pas de quoi, à votre service. Je donne toujours la parole, on ne sait jamais si vous avez des considérations complémentaires à émettre. Je vous propose de passer aux questions, là aussi, jointes 23 et 24, qui concernent l'ORECA. Première question de Madame Lenoir à propos de la réouverture de l'ORECA. Et ensuite, une question du groupe MR OpenVLD au sujet de la réouverture des terrasses. Madame Lenoir, je vous cède la parole. Monsieur le Président, Monsieur le Bourgmestre, Mesdames, Messieurs les membres du Collège et chers collègues, nous connaissons tous les difficultés que l'ORECA a subies à cause du confinement de la restauration. Nous savons qu'il y a un risque sauvage sur le territoire de notre commune, sur la zone de police, le 1er mai. Pouvez-vous dire quelles seront les suites données par les autorités communales en cas d'ouverture sauvage? Pouvez-vous me dire ce que la commune a l'intention de mettre en place pour l'ouverture des terrasses au niveau du 8 mai?
quelles sont les intentions que la commune a pour instaurer des terrasses, donc pour la création de terrasses, tout, hein, donc la cré... excusez-moi. Donc la création, donc qu'est-ce que la commune a l'intention de mettre en place pour aider des restaurateurs qui souhaiteraient mettre en place des terrasses provisoires, vu que le Codeco a décidé de les pénaliser de nombreux restaurateurs qui ne peuvent pas ouvrir en présentiel. Je vous remercie, Karine Lenoir. Merci. Et pour vous succéder, Madame Mascal. Ce sera moi. Par contre, moi, ce n'est pas foutu, mais il faut chaque fois que je retrouve ma question. Voilà. Donc, Monsieur le Président, chers collègues, si tout se passe comme prévu, les terrasses des établissements Horeca pourront rouvrir à partir du 8 mai. Bon, là aussi, l'actualité fait qu'apparemment, on avance là-dessus. Soucieux de donner les meilleures chances à ces établissements, nous estimons que leur espace extérieur doit pouvoir être étendu dans la mesure du possible. Par ailleurs, je ne pense pas que ça va encore se produire, vu les menaces qui pèsent sur les menaces financières, en tout cas, qui ouvriraient. Sur les patrons qui ouvriraient leurs établissements unilatéralement, le 1er mai. Mais bon, voilà, ça avait été mentionné dans la question à l'époque, c'était quelque chose dont on parlait beaucoup. Donc, nos questions sont les suivantes. Néanmoins, Monsieur le Bourgmestre, quelle serait votre attitude si certains exploitants d'Auderghem décidaient d'ouvrir leurs établissements avant le 8 mai? Par ailleurs, dans quelle mesure entendez-vous favoriser l'élargissement des terrasses Horeca? Comptez-vous le faire sur une plus grande échelle que l'été dernier? Le gouvernement bruxellois a annoncé qu'il allait mettre en place des règles uniformes à l'ensemble de la région pour affecter les places de stationnement aux terrasses. Ces règles seront-elles d'application à Auderghem? Et dernière question, avez-vous pensé à supprimer la taxe sur les terrasses pour cette année? Je vous remercie. Merci pour vous répondre, Madame Widam, et puis Monsieur le Bourgmestre. Merci, Monsieur le Président. Merci, Mesdames les conseillères, pour vos questions. Comme vous l'avez précisé dans vos introductions, le comité de concertation a annoncé la possibilité d'une réouverture partielle des établissements de l'Horeca et donc une réouverture des terrasses. Nous en réjouissons évidemment. Dans le cadre du plan plein air, donc les terrasses pourront accueillir nouvellement des clients sous certaines conditions, vous les connaissez déjà, hein, donc ouverture de 8 à 22 heures, 4 personnes par table maximum, une distance d'1,50 m entre les tables, une obligation du port du masque et une interdiction de service au bar. Alors, parallèlement à ces obligations du Codeco, la région, en effet, a édité une circulaire qui parle de la notion de terrasse, mais la notion de terrasse qui n'est pas conditionnée à une demande de permis d'urbanisme. Alors, dans cette circulaire, on parle d'une obligation de respecter un passage de 2 mètres pour les piétons, mais aussi que la superficie de la terrasse ne dépasse pas 50 mètres carrés. Et donc, on parle aussi dans cette même circulaire du fait qu'il est possible, localement, d'enlever des places de stationnement et d'y mettre donc des terrasses provisoires avec une paroi qui aurait une hauteur de 80 cm maximum. Il faut savoir aussi que l'arrêté ministériel concret ne nous a pas encore été parvenu. Donc, nous avons uniquement la circulaire et l'annonce du Codeco. Alors, vous me direz, qu'en est-il des commerçants auderghemois? Eh bien, pour nous, il est évidemment essentiel de les soutenir dans cette réouverture, vu les fermetures successives auxquelles ils ont dû faire face. Nous avons donc déjà eu beaucoup de demandes et répondu favorablement à ces demandes d'extension de terrasses, que ce soit sur des places de stationnement ou sur les trottoirs. Nous répondons à chaque fois, donc avant de donner une réponse, nous réunissons les services compétents, donc l'économie locale, la voirie, le bourgmestre, l'espace public, les animations. Donc voilà, on prend une décision de manière transversale et la plupart du temps de manière favorable et rapide. Voilà, je cède maintenant la parole au bourgmestre. Monsieur le bourgmestre. Monsieur le Président, mesdames les conseillers, chers collègues, très rapidement, puisque vous suivez avec assiduité la presse, vous avez sans doute noté mon intervention alors qu'un certain nombre de bourgmestres se croyaient autorisés de prétendre à des pouvoirs qu'ils n'avaient pas au regard de la loi. J'ai donc rappelé avec opportunité, puisque ça a été confirmé par la suite, que le bourgmestre a la police administrative, il n'a pas la police judiciaire. En d'autres termes, un bourgmestre ne peut pas donner une injonction de verbalisation ou de ne pas verbaliser à la police. Seul le procureur du roi et le collège des procureurs du roi peuvent donner ce type d'injonction à la police. Et donc, ça répond évidemment à votre question.
quant à mon attitude s'il devait y avoir des dispositions qui étaient contraires au prescrit légal. La police agira au regard des instructions données par le procureur du roi. Il n'est pas bon en démocratie de faire croire que l'on a des pouvoirs que l'on n'a pas. Il faut toujours rester dans le cadre légal. Enfin, et là je m'étonne un peu sur la taxe terrasse, parce que ça fait plus de 4 ans qu'il n'y a plus de taxe terrasse à Oudergem. Nous sommes sans doute une des seules communes d'ailleurs à ne pas taxer les commerçants pour la pose des terrasses. Cette initiative a été prise sous la précédente législature par notre majorité, à l'initiative d'ailleurs de l'échevine du commerce de l'époque, Madame De Vos. Donc, comme il n'y a pas de taxe, il n'y a pas de crainte d'être taxé. Voilà pour les réponses, Madame Lenoir, pour répliquer. Donc, je vous remercie pour ces informations. Et je remercie le bourgmestre d'avoir rappelé le cadre dans lequel on est. Voilà, je vous remercie. Madame Mascalque. Oui, ben je vous remercie, c'était la leçon du soir. C'était celle-ci, voilà, que je l'ai eue. J'espère ne pas me faire taper sur les doigts une deuxième fois avant la fin de la soirée et du conseil communal. Voilà qui clôt ces deux questions. Je vous propose de passer à la question 25. De Madame Lenoir à propos de la vaccination des puéricultrices et des accueillantes extrascolaires. Madame Lenoir, vous avez la parole. Monsieur le Président, Monsieur le Bourgmestre, Mesdames, Messieurs les membres du Collège et chers collègues, la vaccination bat son plein, mais ça ne le sera jamais assez vite. Je vois ce que la commune a entamé comme démarche pour soutenir le secteur de la petite enfance et de l'enfance pour la vaccination. On le sait, depuis le début de la crise, nos péricultrices et nos accueillantes extrascolaires n'ont jamais été autant sur le pont. Les péricultrices ont des contacts rapprochés avec les enfants par le fait qu'elles les portent, leur donnent à manger, les changent, font leurs soins au niveau du nez, de la bouche. Et donc, elles sont en contact permanent avec des écoulements nasaux, de salive, d'urine, de sel, des bébés. Les gardiennes extrascolaires sont, elles aussi, sur le pont, avec des enfants, des parents de différentes années. Elles travaillent dans les périodes scolaires et extrascolaires, donc ne sont pas en congé pendant les 2 mois d'été. Elles rejoignent les équipes du parascolaire et elles sont confrontées à de nombreux publics et pas que des publics de nos écoles communales. Ces deux professions sont sur le pont toute l'année, il me semble qu'il serait intéressant de les considérer comme des publics, des professions de première ligne. Pouvez-vous me dire quelles sont les initiatives en termes de prévention ou en dehors de la vaccination que vous avez prises pour soutenir ces publics en particulier? Je vous remercie, Karine Lenoir. Merci, Madame la conseillère. Alors, comme ça concerne les crèches et les écoles. D'abord, Madame Coudray, et puis Madame Willem. Madame la conseillère, votre question est importante et on ne peut que vous remercier pour l'intérêt qui est porté à ce secteur qui n'est pas assez mis en évidence. Comme vous, nous estimons que le personnel qui travaille dans les écoles et les crèches devrait bénéficier d'une priorité de vaccination. Depuis le début de la crise, les enseignants, les accueillants extrascolaires et les péricultrices sont sur le front. Et malgré les différentes vagues, les milieux d'accueil de la petite enfance, eh bien, ils sont toujours restés ouverts, à l'exception bien sûr des fermetures liées à des cas de Covid. Alors considéré comme secteur essentiel par le gouvernement, le personnel qui travaille en crèche, eh bien, il ne bénéficie à ce jour d'aucune priorité de vaccination. Et pourtant, on le sait, c'est impossible de respecter une distanciation sociale avec des enfants en bas âge. L'interaction et la proximité font partie intrinsèque du métier des puériculteurs et des puéricultrices. Au niveau de la petite enfance, à mon initiative, un courrier co-signé par différents échevins de la petite enfance pour demander l'accès au vaccin a été envoyé aux autorités compétentes, mais à ce jour, aucune réponse n'a été donnée par les ministres interpellés. Alors bien sûr, les mesures d'hygiène et de prévention seront d'application et représentent un investissement considérable pour tous les travailleurs des crèches. À défaut de pouvoir permettre à son personnel une vaccination prioritaire, eh bien, le collège a décidé d'agir en proposant au personnel des crèches et des écoles des masques chirurgicaux de type 2 aux propriétés virucides COVID-19, des tests antigéniques
réalisés par la médecine du travail, et des autotests sont proposés tant au personnel des écoles et des crèches. Donc, en résumé, on ne peut pas proposer la vaccination, malheureusement, puisque ça ne dépend pas de notre collège, mais on agit sur la prévention. Alors, pour les écoles, je cède la parole à notre échevine de l'enseignement, Madame William. Merci, Madame Couldray. Merci, Madame Lenoir, pour votre question. Et sachez que je partage évidemment vos constats. Les enseignants et les accueillantes sont sans conteste, même si elles sont masquées et soucieuses de garder une distance sociale, sont sans conteste du personnel, évidemment, en première ligne. Parce que tout d'abord, la dynamique de la pédagogie a changé. On est loin du maître qui est au tableau et qui ne s'approche pas des enfants. On est proche des enfants, on les prend dans les bras, surtout pour les plus jeunes, on en prend soin et donc leur développement en dépend. Donc c'est très important, évidemment, le contact dans ces milieux-là. Et donc, malgré toutes les mesures qui ont déjà été mises en place, les fenêtres ouvertes, la désinfection des locaux, le lavage des mains, eh bien, les accueillants et les enseignants attrapent quand même ce satané virus. Donc, il semblait évidemment essentiel à nos yeux que ces publics allaient devenir des publics prioritaires pour la vaccination. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Et face à tous ces constats, et comme Madame Couldray, avec plusieurs autres échevins et échevines de l'enseignement, nous avons aussi rédigé un courrier à la ministre Désir en demandant la priorité de vaccination, évidemment pour les personnes qui le souhaitent. À ce jour, nous n'avons pas encore eu de réponse. Alors, comme vous l'avez entendu, le collège n'est pas resté les bras croisés, comme l'a dit Mme Couldray, donc différentes choses ont été mises en place. Le 2 avril, le collège a commandé donc des masques virucides et des sachets d'autotest pour ce personnel, toujours sur base volontaire, évidemment. Donc pour ce qui est des écoles, les sachets ont été distribués à la rentrée, donc le 19 avril, aux directions. Et chaque enseignant, on leur a proposé de faire cet autotest le premier jour de la rentrée, donc le lundi 19 et le jeudi. On leur a aussi proposé de faire ça à domicile, puisque donc faire ça dans une école, ce n'est pas toujours simple, et d'avoir une personne de confiance à côté d'eux pour la lecture du résultat. À ce jour, sur le terrain, il resterait environ une moitié de tests disponibles dans les écoles. Donc, le personnel y a répondu, mais pas entièrement. Ce n'était pas ce que nous souhaitions, c'était évidemment sur base volontaire. Donc, des tests sont encore disponibles dans nos écoles pour nos personnels. Voilà, je vous remercie pour votre écoute. Merci, mesdames les échevines. Madame Lenoir, pour votre réplique. Je souhaite remercier les échevines, donc Florence Couldray et Elise William, pour ces mesures complémentaires qui ont été mises en place pour soutenir le personnel. Je pense que c'est important. Voilà. Merci. Merci, Madame la conseillère. Point 26, question du groupe MR Open VLD au sujet des festivités de l'été 2021. Et je ne vois pas à mon écran qui va prendre la parole. C'est encore moi. Voilà, Madame Mascal, allez-y. Voilà, merci. Monsieur le Président, chers collègues, la crise sanitaire... Attendez, parce que c'est foutu. Voilà. La crise sanitaire bouleverse nos vies depuis plus d'un an et de manière plus anecdotique, elle bouscule également nos traditions et nos festivités. Nous sommes bien conscients que l'été 2021 ne sera pas encore normal, totalement normal, j'avais écrit. Néanmoins, nous pensons qu'un certain nombre d'activités pourraient reprendre sous une forme ou sous une autre. Nos questions n'ont pas d'autre but que de nous informer et d'informer les citoyens sur ce qui est dans le pipeline, dans l'état actuel de votre information, évidemment. Donc, voici nos questions. La kermesse du boulevard du Souverain pourra-t-elle avoir lieu? Si oui, quand? Avec quelles mesures sanitaires? Sinon, un plan B est-il prévu pour animer le boulevard? Les brocantes s'étendant à tout un quartier, type Pinois, pourront-elles avoir lieu? Si oui, quand? Avec quelles éventuelles restrictions? Et sinon, un plan B est-il prévu pour animer les quartiers? Avez-vous déjà prévu des dispositions, des restrictions, pour la retransmission des matchs de foot de l'Euro? Je vous remercie. Pour vous répondre, Madame Defossé. Alors, je vous remercie pour votre question qui permet de faire l'état des lieux des festivités prévues cet été.
Je n'utiliserai tout de même pas le terme anecdotique employé dans votre début de question en parlant des festivités, qui à mon sens est maladroit, car derrière ces animations se cache tout un secteur, quel événementiel, qui souffre depuis le début de la crise. La presse en fait d'ailleurs écho dans bon nombre d'articles qui relatent depuis des semaines la détresse de ce milieu qui se sent oublié, abandonné, malgré leurs cris alarmants. Et ces moments de joie constituent aussi des bouffées d'oxygène pour les citoyens qui en ont besoin après ces mois difficiles que nous vivons. Si nous nous basons sur les protocoles de l'année dernière et des annonces faites par le gouvernement fédéral annonçant des festivités à 200 personnes en extérieur en juin, il serait illusoire de croire que nous pourrons organiser des événements qui génèrent et rassemblent des milliers de personnes comme les traditionnelles fêtes d'Audergame ou encore l'Euro de football. Néanmoins, afin d'égayer notre été, nous avons tout de même décidé d'organiser et d'autoriser des micro-événements lors desquels les règles, les modalités d'exécution qui seront édictées dans l'arrêté ministériel et les gestes barrières pourront être respectés. Alors, par ordre chronologique, je peux vous citer les animations prévues sous réserve, bien évidemment, des mesures sanitaires qui seront en vigueur à ce moment-là. Alors, la Guinguette à Rouge-Cloître ouvrira ses portes de mai jusqu'à fin septembre. Le 29 mai, dans le cadre du week-end du jazz à Bruxelles et en collaboration avec la culture, il y aura un mini-concert sur le balcon de la salle des mariages. Les apéros du boulevard prendront place dans la demi-lune cette année du centre culturel, tous les jeudis avec DJ et nouveauté tous les dimanches aussi de 11h à 17h avec une ambiance un peu plus lunch. Le week-end d'ouverture sera les 8 et 9 mai et billet hebdomadaire donc jusqu'au 15 septembre. Les mêmes règles que pour les terrasses seront appliquées. La foire d'été aura lieu sur la berne centrale du boulevard du Souverain du 4 au 20 juin. Le Brussels Food Festival aura lieu cette année en juin. Nous avons déplacé l'édition du mois de mai et aura lieu du 25 au 27 juin et reviendra du 10 au 12 septembre. Dans le cadre de Bruxelles en vacances, nous espérons, avec le syndicat d'initiative, décrocher un subside pour installer un terrain de beach volley cet été. Rien n'est acquis, mais nous travaillons à l'élaboration du subside. Les brocantes habituelles pourront reprendre dès le feu vert donné par le gouvernement. Et la grande brocante du quartier Pinois avec son bal annuel est organisée par les commerçants. Je n'ai pas reçu de demande d'autorisation à ce jour. C'est une festivité, il est vrai, qui amène aussi des milliers de personnes. Le nombre d'exposants sera probablement limité, avec aussi des modalités d'exécution strictes à devoir respecter. Je ne sais donc pas encore si les commerçants organiseront l'édition cette année. Idem pour les autres grandes brocantes de quartier, je n'ai pas encore reçu de demande à ce jour et si nous en réceptionnons, elles pourront avoir lieu sous réserve toujours du respect des modalités qui seront reprises dans l'arrêté ministériel qui seront en réalité les restrictions qui seront imposées par la commune. Je peux aussi vous préciser que tous ces événements ont été validés par la police locale qui veillera comme toujours au bon respect des mesures sanitaire. Voilà, j'espère avoir été complète et avoir pu vous éclairer sur l'état des lieux de la situation à cette heure, en espérant avec impatience retrouver au plus vite une certaine normalité. Je vous remercie, Madame. Merci, Madame la conseillère. Merci, pardon. J'étais pressée de répondre. Je vous remercie, Madame Lechevine, et je suis ravie de voir qu'en effet, une certaine vie va bientôt pouvoir reprendre dans la commune. Par contre, bon, je vous remercie pour la deuxième leçon du soir sur le mot anecdotique. Si je ne l'avais pas dit, si j'avais eu l'air d'insister sur le fait qu'il y avait des réjouissances et que c'était ça qui était le plus important à mes yeux, on m'aurait dit que le plus grave, c'était la crise sanitaire. Bon, donc, by the way, je l'ai dit, c'est ainsi que je vois les choses. Ce n'est pas, je ne parlais pas non plus du festival de Werther ou du festival de Spa, hein, je parlais des réjouissances locales qui, effectivement, nous font très plaisir pendant les vacances. Mais bon, je pense qu'il ne fallait pas non plus insister lourdement sur ce point. Et bon, je suis assez chatouilleuse quand on me reprend sur la manière dont j'écris, mais ça, c'est assez personnel.
Et alors, une dernière chose, parce que je connais bien le quartier Pinois, je connais bien les commerçants qui organisent ces brocantes, et j'imagine que dans les autres quartiers où ce sont des commerçants qui organisent des brocantes, ils sont dans le même état d'esprit, ils sont fatigués, ils sont découragés. Ça fait la deuxième année qu'ils ne pourront pas, enfin, ça fait la deuxième année qu'il y a des problèmes, en tout cas pour l'organisation des brocantes. Ce n'est pas de votre faute, ce n'est pas de leur faute, mais je suis sidérée d'apprendre que vous attendez qu'ils viennent vers vous et que vous n'êtes pas allé vers eux, parce que je peux vous dire que vraiment, ils ne sont pas bien, ils ne vont pas pouvoir organiser un gros événement. Je ne sais pas s'ils n'ont pas besoin au moins d'aide et au moins d'empathie par rapport à leurs problèmes. Je vous remercie. Merci, Madame la conseillère. Je pense que cette intervention clôt et ce point, donc l'incident, et aussi l'ordre du jour public. Et donc, nous allons patienter pour pouvoir ouvrir la séance à huis clos le temps que nous soyons, entre guillemets, entre nous.